J'ai dit bonne partie à Firefly. Très bonne série, Firefly d'ailleurs. Et il joue Oshii en haut à droite. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on va jouer? On va jouer des Oshii également, je pense. On va pas accepter un croisé. Pour changer, souvent je fais un Komoku ici. On va changer un peu. Oula, mais voilà, vous avez l'idée. Je propose souvent un croisé en faisant un Komoku. On va changer un peu. Et on va faire deux Oshii. Ensuite. Attendez, je vais juste aller là. Il y avait un truc que je voulais copier-coller. Tac, tac. En mettant comme ça. Ouais. Vous allez comprendre dans deux secondes. Merci pour le follow, Amélie. Je sais pas pourquoi il n'y a pas ton... Pourquoi il n'y a pas ton... l'animation? C'est pas normal, ça. Bon, je vais aller la récupérer ailleurs, mais il y avait pas... la scène a été supprimée, je sais pas pourquoi. Alerte. Copier. Désolé. Et merci pour le follow. Hop. Je sais pas pourquoi ça la joue pas, je l'ai rejoué, ça joue pas. Bon, tant pis. Ici, je vais... Tac. Le début de stream est un peu chaotique. Hey. I'm good, and you? We play on 4GS. And we comment... what's going on the game. In the game. Ah bah là ça a marché. Salut à toi Thérapie. Merci pour le follow Poka. Pokacal. Je sais pas pourquoi du coup ça a pas affiché pour... mince. Si je la rejoue. Voilà. Bon, on voit quasiment rien. Il faudrait que je l'agrandisse. Mais au moins, voilà, c'est... Ouais, c'est illisible. Faut que je change de couleur. Juste... Allez. Ok. Ok, ok. Peut-être pas intéressé par le go, du coup, j'imagine. Ah, ça fait longtemps que j'avais pas eu ça. J'ai très souvent eu des personnes qui venaient me voir pour... je t'ai follow sur Twitter, je suis graphiste, est-ce que ça t'intéresse tout? Et j'ai vu que chez pas mal d'autres petits streamers, il y avait pas mal de personnes qui venaient pour demander ça aussi, c'est une invasion. Ok, il investit énormément sur le bord gauche, il le veut, ok. Désolé, là, je suis en train de finir mon repas. C'est pour ça qu'il n'y a pas la caméra et que je suis pas dans les plus grands commentaires du monde, on va dire. Comment tu vas, Thérapie? Ouais, bienvenue Pocacal. Comment ça va? C'est de YouTube? On va approcher tout simplement. D'ailleurs, un peu dans le même style, je connais un artiste qui fait des petits remixes sympas de ce genre musical, c'est Desired. Du coup, je pense direct à la musique Desired, qui est très sympa. Le genre qui passerait bien sur Twitch. Ok. Ouais, les musiques... les musiques lofi ou alors les musiques de style là, oui, j'aime beaucoup. Moi. City pop, tout ça. Genre, j'ai des périodes où j'écoute beaucoup trop ça. Après, il y a une autre période où j'écoute trop de musique Ghibli, et etc, etc. Des musiques irlandaises aussi. Ça dépend les moods, que. On va jouer ici. Il doit se demander pourquoi je mets autant de temps. Faut que vite que je finisse de manger. Sur Spotify, tu peux le trouver. Ok. Du coup, tu as dit Desired. Je vais le noter.
Hop, histoire d'être sûr. Tac, tac. Hop là, c'est noté. Je pense que tu pourrais baisser largement, légèrement d'ailleurs. Ah oui, mince, c'est parce que c'était le volume quand je parlais pas. Je suis à moins 8, on va mettre à moins 15, je pense. Ça devrait déjà être mieux, n'hésitez pas à me dire, parce que là j'étais dans le jaune, donc oui, comme ma voix, pour le son. Il fait Atari, on répond. Bon, pour l'instant, rien d'extravagant hein, sur la partie. Nickel, super. Je crois que c'est ça, il faut que les bruits outre ma voix soient dans le vert et que moi ma voix soit dans le jaune. On sent que je suis un expert. D'accord. On coupe. Et ici? Non, c'est pas laquelle j'ai failli capturer. Je joue trop vite. C'est ça. Ouais, c'est ça. Là, il aurait été très content d'avoir son B15 Santé. Oh, d'accord. Le coup le plus classique, c'est de venir en G17. Après, c'est quand la pierre D14 est en C14. Donc, je ne saurais pas dire si ça change vraiment quelque chose. Mais effectivement, hein, si je viens ici. Dans l'immédiat, si je joue G17, je me mets moi-même en situation de guetta, donc quoique. Tac, tac, je vais là. Je peux pas bloquer, Atari. Bon, cela dit, voilà. Après oui, je peux sortir, mais est-ce que ça vaut le coup? Si je fais ça, il va en G18. Oui, c'est parce que j'avais fait passer en prio le son de ça, ouais. C'est notamment parce que c'est le même son que les alertes. Et comme ça, quand il y a les alertes, la musique ça baisse. Parce que sinon, on n'entendait pas les alertes derrière la musique. Mais vous voyez, avec les pierres, c'est peut-être pas incroyable, c'est vrai. Ou alors il faut que je mette le bruit des pierres au même niveau que. Enfin, sur le même truc de son que la musique. Sauf que la musique, elle est sur le truc qui va pas sur les VOD. Et les pierres et les alertes vont sur le son de la VOD. Bref. Salut Fredo, comment tu vas? Mais c'est. Ouais, c'est compliqué là, c'est compliqué. Si je fais ça, il va en G18. Est-ce que je peux vraiment sortir? Je peux sortir, sauter là. S'il force, je vais là. Il a Atari, tac. Mais en fait, j'ai plus que deux libertés. Donc en fait, on va pas toucher. On va juste jouer ailleurs, en fait. Pourquoi je réfléchis trop à ça? Qu'est-ce qu'on fait? On a un coin. Hein. Bon. Ça donne quand même envie de jouer vers le burner. Après, si je viens là, il pince et il est assez content directement, je trouve, je sais pas. Peut-être jouer sur le bord le plus large. En soi, ce bord, on peut passer ici, on peut passer là, donc c'est pas encore fait sur le bord gauche. Donc approcher ici, dire, oh, regarde, toute cette moitié de Goban, elle est encore libre. Et oui, ouais, c'est dur la gestion de son. Salut Crow! Comment tu vas? En lurk. Fais spinner. Ok, il aime bien la quatrième ligne. Mais au moins, ça a le mérite d'être cohérent avec D10, tout ça. Là, il faut que je fasse attention parce que si on fait la même séquence, je commence à lui donner vraiment beaucoup de force sur l'extérieur. C'est bien plus tentant de revenir en R11 ou en Q10, je pense. Je pense qu'il y a aussi la possibilité du R6, mais comme il est déjà fort un peu partout, j'ai un peu peur de la pince.
voire d'un écrasement quelconque. Et du coup, oui, ce que je voulais tester, comme on est quelques-uns là, c'est... Tac, tac. Hop. Est-ce que ça marche bien ce truc? Ouais, ça marche bien, c'est l'overlay sur la scène. Normalement, vous avez que sur votre chat le truc, et là, j'ai rajouté sur l'overlay. Ça peut être marrant, ce genre de truc. Notamment quand on commande des parties d'autres personnes et tout. Ça peut être sympa. Ok, il vient là. Ça fait presque regretter le R6, mais bon, ça aurait été une autre partie, de toute manière. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi pas taper au-dessus? Je le fais pas trop ça. Mais comme maintenant j'ai quand même un peu de cash, c'est la seule zone de cash un peu sûre dans la partie. Plus... Ah non, j'ai pas de commis, il est un Q. Ok. Ça donne envie de prendre la force sur l'extérieur, effectivement. Enfin, t'as gagné, j'ai mis 2000. Ok, et je crois que maintenant, c'est plus trop P3. En fait, s'il pouvait faire P3, s'il le faisait directement, mais maintenant c'est plus P2, ouais. Moi, je défends comme ça. Et il doit pas trop avoir peur de la coupe, donc soit il fait une extension, soit il peut tenuki. Monter, aussi. Ok, il préfère faire une petite extension. En même temps, si je pousse ici, ça a l'air intéressant pour moi, mais également pour lui. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Ça a l'air d'être intéressant de venir par là, non? Ou comme ça? On va l'inviter sur ce bord droit. Générer un peu de combat. Par contre, j'ai utilisé 10 minutes pour 16 coups, c'est un peu honteux, alors que c'est pas les coups les plus extravagants de... non plus. On va venir par ici. Parce que c'est quand même gros le coin. Et je crois que la séquence c'est un truc qui ressemble un peu à ça. Ça me parle. Et maintenant. Et maintenant. Maintenant, j'en ai aucune idée, en fait. S'il pousse ici, c'est quand même... là, oui, c'est embêtant. En général, se dire, oh, on pousse en N5, bah, ça le construit facilement et tout. Mais si lui-même vient en N5, finalement, bah, c'est un peu embêtant pour nous. On est obligé de faire le nobi, je pense. Le Hanné, c'est peut-être un poil risqué. Ah non, j'ai pas vu. J'ai pas vu du tout. Pour quelle occasion? Et comme ça, ça me donne peut-être l'envie de venir jouer un coup comme ça. Et s'il vient en R10, gros combat. Aucune, juste comme ça. Ok, d'accord. D'accord, d'accord. Ah non, j'avais pas du tout vu. Il a... C'est son nom sur Twitch, Denis Cardaban, ou... Je sais pas si on dit Cardaban ou Cardaban. C'était cool quand il est balèze. Ah bah oui, ouais, il est un peu meilleur que... Bien meilleur que moi, en tout cas. Ouais, c'est ça. Ok, bah je regarderai. J'irai voir ça après cette partie, du coup. Ouais, un petit truc comme ça. Parce que pousser comme ça, en fait, là, il a le choix de venir ici. Si on essaie de le prendre comme ça, il peut passer au-dessous. Invasion, avec l'aide de la pierre en N10, c'est pas mal. Bien envie de jouer sur cette ligne. Bon, allez, il envahit. Ouais, il y a une streamer où je fais pas voir les rediffs, ça m'énerve un peu. Mais après, ouais, je comprends aussi, hein, ils veulent l'abonner. Réserver aux abonnés.
Moi, je pense que ça sert pratiquement pas, hein, mais toutes les vidéos que tous les streams que je fais, en fait, juste après le stream, je mets en temps fort parce que ça reste que pendant 2 semaines dispo, donc je les mets en temps fort et comme ça, bon, s'il y en a qui veulent regarder d'autres vidéos, tout est dispo. Alors, comment il l'envahit? Est-ce qu'il l'envahit? Ouais, moi aussi, je regarde beaucoup en diff. Enfin, je regardais Clément Viktorovitch tout à l'heure en rediff. Comme c'est des longs streams, bah, c'est bien de le faire en plusieurs coups en fait. Comme une vidéo YouTube quoi. Ok, je pensais à ce coup, ouais. Mais t'as bonne idée de venir dans mon territoire du coup. Parce que oui, si je défends absolument cette pierre, tu peux venir embêter énormément. Mais je peux faire ça aussi et faire mon propre coup de, par exemple en H15, qui menace quand même de réveiller l'Adji de ses pierres. Donc attention à ça. Bon, allez, je vais remettre la cam dans 2 secondes. Enfin, 2 secondes, 1 minute. Donc intuitif. Est-ce qu'avance forcément? Quel est le piège? Genre je vais là. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose par exemple avec R13? Quelque chose du genre? Tac, tac, tac. Non, j'ai l'impression que c'est plus fortaliste qu'autre chose. Donc c'est vraiment juste appuyer là, je vais là. Et dire je prends Sente. Est-ce que j'ai droit de m'autoriser alors quand il vient ici? Ce coup-là. Pour menacer le double atari. Moi j'ai l'impression que j'ai le droit. Le Sente ici peut changer la partie donc. Non, en vrai, ici t'ignores. Hein. Je pense que tu t'en fous que blanc il aille là, non? Tu protèges ici, capture cette pierre. Tu bloques là. Je peux pas couper, hein, il y a quand même. Non, on s'en fout. Je pense qu'on s'en fout, ça. C'est une pierre. Oh, tant mieux pour moi, hein. Mais là maintenant, c'est à mon tour de venir. Ça semble quand même assez costaud, ça. On est haut en plus pour couvrir la sortie d'une quelconque invasion. On est au Sansan sans qu'il nous touche. Il n'y a pas de point de coupe. J'ai l'impression que c'est plutôt solide. Intuitivement, j'aimerais venir en H15. S'il vient ici, je fais année. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Tout simplement une approche en J16. S'il tente de couvrir, bah je peux faire ça. Et maintenant, quand il sort ici, bah, on peut venir en H17. Et il peut plus nous couper. Aussi, il kick. Je monte. Il couvre de manière classique, on va dire. Mais finalement, quand je m'en vais, en fait, mission réussie, non? Ah, j'ai l'impression qu'en fait, ouais, c'est pas mal ce coup. S'il vient par ici, ben on peut écraser un peu et finalement repartir également. J'aime bien ce coup. Je remets la caméra. Hop. Tac. Bonsoir à tous. Comment vous allez? Ah, il y a quelques personnes qui regardent sur KGS. Ouais, t'es 5 Dan sur KGS, vache. GG, hein. GG, GG. C'est ton compte. Compte Rebot ou c'est ton compte classique? Parce que tu disais que tu jouais pas mal contre des bots. Ok, il s'écrase quand même pas mal. Est-ce que j'ai vraiment le temps de faire... Bonsoir Linbogi, bonsoir Râleur, comment vous allez tous les deux? J'ai vu Râleur que tu pensais, après j'ai pas tout suivi je pense, mais te mettre aux échecs aussi, apprendre les échecs, ou que tu as déjà entrepris de
quelque apprentissage que ce soit. Donc, tu es toujours dans cette idée? Là, j'ai l'impression que si je vais en J18, en fait, c'est pas très santé et qu'il peut me couvrir ici et que ça devient quand même plus périlleux. Après, quoi que. Je peux quand même étendre hein, et prendre un minimum de base de vie, menacer de glisser ici. Je suis toujours sur la sortie, peut-être. Ou alors on sort. On sort. Tac, il pousse, on va là, il continue, on va par là. Et on a réduit sur le troisième. C'est ce qui est très bien en soi. Faut pas être gourmand, je pense, ici. Je m'en vais dans le centre de la cam. Ok, Boshi. Ouais, je comprends. Je comprends parce que c'est très agréable. Si Blanc s'en va comme ça, c'est pas possible, quoi. Bon, allez, je te laisse, moi. Bonne soirée, bon jeu. Ouais, merci, ben, sympa d'être passé. Et ben, bonne soirée, bon jeu à toi aussi si tu veux jouer. Salut! Comment est-ce qu'on s'en sort ici? Est-ce qu'on fait pas un petit coup ici de d'abord? Voir comment il réagit. Si on vient ici. Et qui réagit, imaginons, en venant là. Imaginons. Ça apporte pas grand chose hein, parce que j'ai pas vraiment. Si je vais là, il continue tout simplement. Je continue les captures. Si je vais au-dessous, bah, il recule. Pas grand chose en fait. Si, tac, tac. J'irai plutôt ici. Continue. De toute façon, je peux m'autoriser ce coup. Les échecs, ça fait 2 mois et quelques. Apparemment, je suis entre 1400 et 1500. Je connais mal. Enfin, je te même pas du tout, en fait. Les échelles de niveau, à quoi ça vaut. C'est sympa de se sentir nul parce qu'on débute. Ouais, ça change de son niveau aux échecs, j'imagine, oui. Ça change d'être simplement nul partout. En ce moment. Je relis Freud, ça aide. Ok. Et dans l'esprit, tu sens que t'as moyen, t'as des possibilités de progression plus faciles ou non, c'est un tout autre, une toute autre dimension en soi. Il répond. Je suis assez content de cet échange. J'ai 17 à 18, je pense. Faut que je fasse attention à mon temps. Je suis trop lent en général. Tac, tac, tac. Non. Je sais pas de quoi je pense. Tout simplement, elle est là, non? Essayer de prendre un minimum de base de vie. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. On disait menacer de plonger en O18. Et en même temps, ça commence à couvrir mes points de coupe. Parce que maintenant, si je viens ici et qu'il coupe, tac. T'arrives vers ici, tac. Et je prolonge. Continue. Donc, tac, 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 tac. Comment est-ce qu'on fait ça? D'accord, ok. Ok. Toc. Si je viens en K12. Je pense pas que ce soit très bon K12, mais je préfère le relire encore.
Tac, tac. Il recule comme ça. Le problème, c'est qu'il n'y a rien de ce côté pour moi. Donc, ça donne plus envie de faire le kéma tout simplement. Mais s'il vient là et qu'il coupe comme une brute, est-ce que ça marche vraiment, quoi? Atari, tac, et on continue de monter. Il a deux libertés. Non, si, il a deux libertés. Ici, ici. Donc, il continue. Il en a quatre. On bloque là. Voilà, tac. Cet Atari est pas intéressant parce qu'ici il ne reste que deux libertés. Donc Atari de l'autre côté. Et ici on avait. Cet Atari. Puis l'Atari ici, il prend les deux pierres là, j'ai l'impression. Donc ça marche pas très bien le L13, j'ai l'impression. Pas l'impression que ça marche très bien. Ou alors il va me manquer une pierre ici. Et là maintenant je peux faire ça. Il est agressif, hein? Bon, après, c'est moi qui viens chez lui aussi, mais. Je vais pas. Il va pas se laisser faire non plus, mais. Ah, Terrapimo, MVMP, qu'est-ce qu'il a? Je t'envoie le lien au cas où tu tombes pas dessus. Oh, ok, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. C'est pour la musique dont il me parlait tout à l'heure, je pense. Salut, Auréade! Ça va? Il vient comme ça. Mais si on coupe, comme une brute, il nous fait derrière, attaque, mais finalement s'il protège ici, il recule là, ouais. Tout simplement, non? Et ici, s'il descend, il n'y a pas grand-chose. S'il fait derrière de ce côté, tac, tac, pas grand-chose, j'ai l'impression. Ouais, pas grand-chose. Et maintenant, si tu viens ici, je vais là. Et on est connecté. Après, tu peux fermer un petit peu ici, avec ce coup. Je vais là, et tu vas ici. Tu fermes un peu cette zone. Je trouve noir plutôt mou, perso. Trop centré sur le torse. Juste sur mon torse. Ah, ouais, ma sensation c'est que. Ah, déjà, juste avant que tu arrives à droite, il a été très. Mince, j'ai pas le mot. Conciliant, quoi. Vraiment, il s'est battu pour une pierre, en fait. Et là, en haut. Je sais pas trop quoi en penser. Centré sur le IOC. Ouais, parce que sur le torse, bon, je connais pas cette expression, mais. Place au doute. Si tu viens ici, qui pousse. Voilà. S'il coupe comme une brute, on fait Atari. Il sort et. Non, parce qu'il reste de liberté ici. Ok. Eh oui, ça stream ici. J'ai vu juste quand je lançais, j'ai vu que tu streamais un petit peu aussi. Ça s'est bien passé? T'as quel niveau à peu près en scrim? Je sais plus si on a le même niveau ou pas, je crois. Non, je sais plus. Peut-être que t'es au-dessus, je sais plus. Bon, on a un œil. Parce que là, forcer la sortie, je sais pas si c'est très malin. Tu crois que j'aurais dû lâcher ces trois pierres?
Ouais, c'est possible que j'aurais dû lâcher du lest. Bêtise avec ces groupes là, attention. Et oui. En fait, comme la sortie n'est pas évidente du tout, par rapport au nombre de libertés, comme il n'a pas forcé là ici, c'est bien. J'ai. Ouais. J'aurais dû plus jouer plus léger. Au début, c'est bien, je joue léger, et après, j'oublie que c'est une réduction. Est-ce que c'est pas intéressant de faire ça? Tac. Il recule ici, hein. S'il fait cet atari, je fais contre-atari. Quoique, de toute manière, en fait, tac, 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 il capture la pierre, mais quand je connecte, il peut faire cet atari, puis venir là. Et il est vivant, parce que si je viens ici, il va là, tac, tac. Et si je viens là, il vient là. Donc il est vivant, en fait, ici. Donc il peut s'autoriser à m'enfermer de ce côté. Quoi, plutôt sortir. Donc, ça va super. Après 3 semaines à chercher, pas très exactement à régler un souci de crash de PC sur le lancement de certains jeux, j'ai fini par trouver et régler le souci. Cette année informatique. Oh, mais je. Il y a un truc qui va pas. Je cherche 30 000 solutions, j'essaye tout. Un peu de manière naïve, souvent. Assez frustrant des fois. Quand tu as éliminé toutes les causes du problème possible, le seul truc qui reste est de l'ordre du simple et bête. Ouais. En plus, des fois, aussi bien avec le troisième, quatrième truc, t'as réglé ton problème, sauf qu'avec le premier, t'en as créé un autre. Et pour comprendre ça, ouais, non, il était peut-être important ce coup. Voilà, c'est. L'on fait n'importe quoi. On isole un peu ces deux pierres par contre, mais bon. Ah, c'est. Là, il y a un point de coupe terrible. Est-ce que je peux pas aller ici? Tant que tu fais pas comme moi, dès qu'un PC va pas, ne pas se prendre la tête et le jeter. Oh merde. Oh, il faut avoir des sous aussi par contre là. J'étais un PC en 2014, j'avais une vingtaine de bitcoins. Je sais pas trop ce que ça vaut les bitcoins. Ok. Du coup, ça me donne envie de se faire ce coup. Ou celui-là. Tac, coupe, je force, viens là, et je coupe. Tac. Il y a 2 ans, c'était monté à plus de 50 000 dollars le Bitcoin. D'accord, ok.
jamais été très intéressé par ces trucs, mais j'imagine que si ça fait tant parler, c'est qu'il y a des choses, hein, mais pas trop mon délire, j'imagine. Et du coup, ça veut dire quoi? C'est que tu as perdu tout ça ou tout ça fois 20? Ah oui, en 2014, du coup, il fallait attendre. Ok, c'est un investissement, quoi. Ouais. C'est un métier de diagnostic de panne quand mécanique, j'adore. Mais comme c'est pas mon domaine, je fais pas forcément les choses dans le bon ordre. Est-ce que tu travailles dans quoi, Auréade? Ah, je t'avoue, j'y connais absolument rien dans tout ça. En fait, je connais rien dans les trucs. Et pourtant, je fais un peu de code informatique, mais bon, c'est pas exactement la même chose, le matériel et le code, mais bon. Moi, j'ai jeté 1 million, jamais j'ai cru que... C'est dur. Enfin, j'en rigole, mais c'est ouais, c'est dur. Faut vraiment que je fasse attention, je suis dans le biomi très bientôt. Et protège, ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Petit temps de pause. On va rentrer dans le bio, Umi. Est-ce qu'on a réglé nos problèmes ou pas? À droite, ça va. En haut, à gauche, ça va. Ce groupe-là, on aimerait vraiment avoir ce timing de B4, je pense. Comme il est assez proche ici et que dehors, commence à y avoir de moins en moins de possibilités de sortir, on va dire. Et même moins d'intérêt de faire des coups comme E6. Clairement, là, c'est soit B4, soit m'occuper encore de ces pierres. Est-ce que j'en ai besoin? 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Par exemple, en 7, sautant comme ça. 8, Mince, je 9, perds une période déjà. En sautant comme ça. Ça menace pas mal ces pierres-là, non? Ah, je viens de le voir du coup là quand tu le dis, mais je 10 l'aurais pas vu, donc seconds. je vais pas le 1, jouer. Tant pis pour 2, moi. 3, Tant pis pour moi. 5, Ah ouais, 6, c'est... Ouais. Mais je l'aurais 7, pas vu. 8, Donc ce serait de la triche 9, de le venir. Ah merde, ouais. Je l'avais pas vu du tout. Tant pis. On va sûrement me perdre sur ça. Mais je me voyais pas le jouer du coup. Mais oui, du coup c'est le coup de la défaite. On va sûrement abandonner après ce coup. Ah, il le voit pas. Ah, du coup c'est horrible. C'est horrible du coup, qu'est-ce que je fais? C'est malhonnête, je trouve, de le jouer. Je suis mieux loti que les SDF des grandes villes, j'ai acheté un bout de forêt, je suis sur le chemin de l'autonomie. Ok. Oui, un million sur la côté. 10 seconds. J'imagine. 1, 2, 3, 4, On va protéger. J'ai fait microbiologie, bio-végétal. Ok, d'accord. Ah oui, c'est pas le même domaine, effectivement. Finalement, je suis mort rien. Bah non, pas du tout, du coup. Parce que ça te plaît plus maintenant, ça? 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, Va lâcher du gros lest, hein. Force si on vient là, s'il va là, on va là. Merci pour le follow, Choricte. Je pense que je torture ton pseudo, mais. Par contre, maintenant, bah oui, la prio, c'est de s'occuper de ça, effectivement. 10 Mais du coup, je pourrais pas seconds. rentrer dans le bord 1, gauche. 2, 3, On va sortir. Allez, BG, you can do it. Oui. Toujours le faire avec un peu de volonté. Alors, on va protéger la coupe. T'as changé d'orientation du coup, Riyad, c'est ça?
je reviens sur ça, mais parce que c'est quand même, ouais, dire je suis mort à rien. Et moi, je suis au chômage, moi, donc je pourrais en dire autant, du coup, là. Mais non, personne n'est bon à rien. La musique s'est arrêtée. Ah oui, ça fait déjà une... Ah, 45 minutes seulement, ok. Allez, on met une autre. Tac. Ah, hein, le meilleur coup du gobelin trop sous-estimé. À protéger, hein. Il y a mon truc qui tient pas debout, j'ai peur de me faire embaucher et d'encore chier dans l'alcool parce que je me réveille pas au moins de trucs qui me déprime. Ouais. À la déprime ou dépression, c'est quand même quelque chose à prendre au sérieux, oui, j'ai... Et bon. 10 seconds. 1, 2, je peux comprendre, oui. Je peux comprendre. 7, 8, 9. Il protège son truc, fais chier. Elle dit, c'est très, tu balances des coordonnées, et tac, tac, tac. Ouais. Et tu dis que t'as pas le courage de lancer à ton propre compte, c'est... tu voulais le faire, du coup, j'imagine, comme t'y as pensé. Elle est triste la position de noir. Par blanc a quand même beaucoup de cash ici, il a des points là, il a des points là, donc il faut que je tienne bon, voilà, mais je trouve que j'ai pas joué une belle partie en fait. Bon, ici il a envie. Il va rajouter un coup en C12. Ça semble plus naturel. Mais à partir de là. Est-ce qu'on peut pas attaquer d'une manière ou d'une autre cette formation? Tout de suite, là, je regardais un coup, je sais pas du tout si ça marche, hein, aux alentours de L8. Ne craque pas, c'est gagnable. Ouais, je pense que c'est gagnable, oui. Me laisse facilement décourager, ça c'est vrai. Faut que je fasse attention à ça. D'accord. Enfin, en vrai, elle lui tac. Il protège comme ça, on a ça. C'est une envie, ce coup. J'ai plus que deux périodes, j'avais même pas fait gaffe. Oh là là, il faut que je fasse gaffe à ça. Heureusement qu'on a le son, moi. Lui, t'as l'air bien chiant. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça donne envie, mais il vient là, et finalement, c'est notre pierre qui va un peu se retrouver dans la mouise. Si on vient ici. Salut Goshi, ça va? On va pousser par là. En fait, on ferme notre truc. Prends cette pierre. Ouais, l'attaque t'es pas folle en fait. Aïe. Koshi me trahit, ne viens pas sur mes streams puants. Tu aurais dû. Tu aurais L10, c'était mieux, je pense. L10. Direct à taille? Ok. Il est où l'Empire de Bretagne? On rejouera demain ou après-demain? Je sais pas. Non, demain ou dimanche? Je sais pas. On va protéger ça. C'était
C'était trop tôt pour moi au stream. Et oui, j'ai mis sur YouTube si tu veux, Goshi. Bah, tu as vu, je crois. Ouais, bah oui, tu as commenté. Oh là là, je suis ailleurs. J'y ai pensé, j'ai écrit les prisonniers sur 3-5 ans sur la liste. C'était il y a quelques années. Oui, du coup, ça change, j'imagine. Tout change si rapidement. Ten seconds. One, two, three, four, five, six. Non mais non. Je lisais. Il recule, je fais Statari, il recule, et je vais là. Tac, tac. Ah, ça capture les pierres. Non, ces deux-là sont mortes. Compliqué. C'est compliqué. Je sais pas quoi faire. 10 seconds. 1, 2, 3. Oh là là, c'est compliqué. Il est dur ce jeu. On va devoir sacrifier encore, ça fait mal. Et là, il doit reculer une fois, on va là, il va peut-être reculer une deuxième fois. Salut Marine, comment ça va? T'as été voir un petit peu les... Moi je sais pas si t'as eu le temps, hein, mais les petites vidéos que je t'ai envoyées. Alors, s'il avait ces trois pieds... De quoi? S'il savait... Ces trois pierres s'abordaient. S'il sauvait, ok. Ces trois pierres s'abordaient pour M8. Il faudrait que je regarde tout à l'heure. D'accord, et du coup après je pouvais avancer. Ouais, ok, je vois. Je me suis trompé dans l'ordre des coups notamment. Ouais, il faut que je change ces trucs. Mais oui, ça peut être intéressant. Est-ce que ça vaut encore le coup de faire ces trucs? Après, voilà, comme j'ai mis au début de la partie, j'ai mis le petit qui gagne, blanc ou noir. Là, du coup, ça peut être intéressant de jouer sur ça. Mais oui, changer les petits défis. Par exemple, plutôt les petits défis, on pourrait mettre tu dois jouer tel Fuseki ou des trucs genre. Ça me fait penser, j'ai vu que tu as eu droit à ton premier hater en commentaire YouTube, en fait. À ton premier, ouais. Ouais, t'as vu ou c'est sur une rediff que t'as vu que je disais ça? Oui, j'ai eu un... Bon, après... C'est... Voilà, c'est pas... Ouais, bon, il y a un gars qui a dit oui, j'étais... Pas très bien comme chaîne, on va dire, mais oui. Mais je crois que quand tu réponds à quelqu'un, la personne n'est pas forcément notifiée que t'as répondu, parce que j'ai répondu, hein, amicalement. Hein. Justement, je sais plus qui a... C'est pas off-screen, non, je sais plus à qui quelqu'un qui me demandait de lui dire sur quelle vidéo. Et on m'a dit que j'étais trop gentil. Je vais pas engueuler la personne, hein. C'est... La personne a le droit de dire ce qu'elle veut en soi, mais. On peut faire Statari. Qui est complètement gratuit. T'es trop gentil. Si t'as des haters, c'est que t'es sur le chemin de la réussite. Non, mais de toute façon, c'est juste que... je suis pas le joueur le plus pédagogue, mais je prétends pas l'être, hein, bien sûr. Hein, je joue, on discute, fin de l'histoire. Je donne pas vraiment de cours ou de leçons sur ma chaîne YouTube. Hein, et voilà, du coup, je renvoie... très régulièrement vers des vidéos de Go Inside, je parle de toi à l'heure, je parle de thérapie, je parle de plein de personnes, quoi, c'est... Voilà, quoi, c'est chacun son truc, moi je suis plus en mode divertissement, on va dire. Et c'est ça qu'il y a plein qui m'ont dit, en regardant tes parties, voilà, c'est sympa, c'est comme regarder la télé, quoi, j'imagine, pour certains. Et quand tu veux apprendre, moi j'imagine que tu regardes d'autres personnes, c'est tout. Mais oui, il m'a comparé du coup aux autres que j'étais une mauvaise chaîne YouTube, en fait. Chaîne à éviter. Mais bon, ça va pas, ça va pas me... Faut pas que je pense trop à ça, hein, c'est... Justement, c'est bon signe de faire réagir, on va dire. Ça fait discuter.
C'est vraiment dommage ça. Hein. Enfin, je peux que m'en vouloir, c'est moi qui fais des mauvaises formes. Cette capture, elle est pas santé du tout, du coup. Elle est pas si intéressante. À moins que je capture. 10 seconds. Mais non, oui. Et c'est santé parce que sinon je peux couper. Il capture, je descends, j'ai 3 libertés. Ouais, mais tu lui aussi, donc ça sert à rien. Non, ça sert à rien en fait. J'ai perdu gratuitement une période. C'est. Ouais. C'est là où on aime bien Fox, même si ça m'a fait bizarre les premières fois. Parce que j'aurais pas perdu ces périodes en fait. Hop, on va connecter tout ça. Hein. Est-ce que toutes ces séquences, ça a été mauvais? Par contre, B14 peut être intéressant. Ouais, bon, ok, il n'y a plus de B14. Du coup, qu'est-ce que vous dites sinon? Je vais aller insulter sur quelques écrans qui traînent. Non, non, mais répondez pas aux commentaires, hein, par contre. Hein. Répondez pas du tout aux commentaires du gars, hein. Ça sert à rien du tout. Ça sert à rien. Alors, vu comme je spamme tes vidéos sur YouTube, je suis spammé par tes vidéos. Ok, t'as, oui. Bah oui, comme j'en publie pas mal, j'imagine que c'est pour ça aussi. Envoie le lien. Non. Après, ça augmente tes stats YouTube gratos. C'est ça. Merci de commenter. 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que c'est gros ça. 7, 8, 9, ouh, il faut que je joue, c'est ma dernière période. Je regardais, je voyais 2 secondes, je. Pas de stress du tout. Après, il y a ça qui est gros aussi. Putain, tu m'as fait peur. J'ai lu ton commentaire râleur, j'ai lu, je sais pas, ça me saoule depuis un moment, ta méchanceté gratuite, et j'étais là, quoi? J'ai fait quoi? J'ai eu peur. Mais oui. Ouais, c'est ma copine qui était pas contente. Je me fais engueuler, en fait, je me fais engueuler dans tous les sens parce que je m'énerve pas. Chill. Yossé. Ouais, c'est Yossé, là. Mais R18, c'est gros. B14, c'est gros. Ok. On a compris. Tu veux couper. On a compris, je crois. Je vais d'abord aller par là. Pauvre Street. Oh, oui. Oh, qu'il est embêtant. Mais oui, il a raison. Il a raison. Mais non, mais t'inquiète, Gauchy, c'est pas grave. Par contre, attention à ça, non? Non, ça a l'air d'aller. T'as le droit d'être agacé, c'est vrai. Ouais, après, c'est... Je reçois tellement de petits commentaires sympas que... Quand on fait la comparaison, on oublie vite. On va venir par là. C'est ça. Vous savez pas ce qu'il y a derrière. Ça fait un peu mystère, mais vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, comme on dit, ouais, derrière cette porte. C'est pas un peu risqué? T'es pas vivant, hein, totalement encore. Si je viens là, t'es mort. Oui, je l'ai dit en fait, ça suit. Ouais. Bon, du coup, on revient là. Et on peut descendre. J'imagine. Faire des critiques, pourquoi pas, mais le problème, c'est lorsque le message cherche seulement à blesser. Ouais, le message était nul, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Je suis bien d'accord. Faut que je fasse attention à pas trop donner. Si je vais là, il coupe. On va là. Pas encore coupé. Mais on va là.
Mais après, il a cette attaque. Il peut attaquer le coin sévèrement. Donc faut d'abord faire ça, j'imagine. Et d'abord cette attaque. Comme ça. On peut descendre en J3, non? Ouais, on peut descendre en J3. Dangereux. Ah bon? C'est dangereux? Tac. S'il fait cet atari, je reviens là. Non, je protège, bien sûr. Je protège. Et ensuite, il prend la pierre. Et nous, on continue. Non? 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Ça a l'air d'aller, non? Je me trompe complètement? Oh, on est 23. Bonsoir à tous. Désolé, vous, du coup, ça vous intéresse pas forcément les petites histoires qu'on disait. J'ai cru qu'on était quelques-uns seulement. Bonsoir à tous. J'espère que la partie vous plaît. Combien ici? Il peut pas couper. Ouais, c'était pas très malin en fait. Y a la latence. Y'a la latence. Ah mince. Désolé. Si je viens là. Je peux pas monter, je peux aller là. Donc il va ici. Et ensuite je vais là. D'abord faire ça. Pour me laisser le temps de réfléchir. Si je descends, du coup il protège comme ça. Ok, en plus il me retire pas. Ouais, non, oui, c'est bien. Si je descends, il va là. J'ai 3, 1, 2, 3, 4 libertés. Je vais là. Il peut couper. Je vais là. Il peut aller là. Je vais là. 10 seconds. 1, 2. Ça semble bon, non? Texte se passe sûrement chez moi. Ça dépend. Si quelqu'un d'autre a ça, n'hésitez pas à dire. Et il faudra que je regarde dans ce cas-là. Est-ce qu'il y a marqué en bas quelque chose? Non, ça a l'air d'aller. Ouais, ça a l'air d'aller, moi. Mm. Ça a l'air d'aller. Salut Romain! Le Romain éthique. Comment ça va? Je vois que c'est ton premier message, bienvenue. Et salut Nier. Nier. Boon, premier message également, bonsoir. Bonsoir à tous. Connect, après il sera forcé à vivre et tu vises L5. L5. Oui, il y a ça aussi en soi. Mais là je capture ça, déjà. C'est plus sécur. Bon, de toute manière, il vient là. Il me retire pas de liberté. Tac, même si Fatari, on répond, il protège là, on vient ici. Il fait atterrir comme ça. Il peut venir là, tac tac. Non, il n'y a rien de spécial. Non, c'est pas incroyable mon coup. C'est pas incroyable. Il faut que je fasse attention, hein, c'est... On va venir par là. Et s'il prolonge, je vais en H1. Que ça, même s'il continue encore, Atari, tac, et on bloque. Donc ça a l'air d'aller. Donc il nous reste le R18, il nous reste le B14, il nous reste la continuation ici, qui est un peu gratuite. Il faut juste que je fasse attention au nombre de libertés également ici. Si je joue ça, en fait, ça me force à faire quelque chose ici. Ok, non, il s'en fout. Ah oui, mais il peut aller là. Ouais, ça, c'est Sente, non? Tac. Faut que je vérifie. Si je joue là.
coupe. Non, qui connecte. On va ici. Qui coupe. Je vais là. Je vais ici, je vais là. Ça revient au même. Ok, bon, bon, on peut couper. Mm-hmm. Et ça, ça serait une erreur, j'ai l'impression. Oh, elle est là, hein, c'est immense. C'est immense. Si, il peut couper, parce que quand il va en H1, je vais en E2, je vais pas ici, sinon il vit. Ok, il prend là. Si je force, il peut rien faire encore, donc il recule là. Quoique, non, il peut bloquer. Il pouvait bloquer, je pense, parce que si je m'amuse à prendre la pierre, il peut faire contre-atterri derrière, je capture, et il vient prendre ses trois pierres. Ça pouvait être gros. Ça pouvait être gros. Protéger cette pierre, c'est santé. Je pense. Hein. Si je protège ces pierres, ça menace toutes ces pierres ici. Ensuite, on a les coups par là. On a aussi une petite glissade par là. Tac. Tac, tac, tac. Ouais, c'est sympa. Petite glissade du singe. Alors, est-ce que j'ai raté des... continue pour détruire le bord, ouais. Le Yossé de noir... est un peu plus triste que prévu. Ouais, il est un peu triste, le dieu, c'est noir, c'est vrai. C'est vrai que là, il me laisse à tout avoir. Enfin, il me laisse. Un peu insultant de dire ça, c'est... j'ai une suite de santé, quoi. Ça va bien? Cool, 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 cool. C'est pas au hasard, les messages, c'est... Ils sont quasiment tous de la même couleur, je sais pas pourquoi. Vous aimez tous le orange? C'est surtout Scream et Vache. Ta glissade est étrange. Comment ça, Zoggy? Salut à toi en tout cas. À toi aussi, t'es en orange. Comment ça, elle est étrange ma glissade? J'aurais dû faire une grande? J'aurais dû trouver le timing de protéger un... 1, 2, 3, de protéger ça un jour. Et je suis jaloux de ton jardin territoire. Ouais, il est gros. Hein. On va abandonner ces deux pierres, non? Parce que si on protège, venir là, on protège et... Ouais, pas grand chose en fait. À moins que... Tac, tac. Non. Ça va. Ça va, ça va. Pour pas aller trop loin. Salut, Holn. Ça va? La grande est gotée. Ouais, c'est ça, c'est pour moi... Je voulais faire la petite pour rester santé. À 10, ça aurait été goté, non? Ouais, je pense aussi, ouais. Salut, Liug. Y'a du monde ce soir. Bienvenue à tous. N'hésitez pas à follow si vous voulez être prévenu des prochains streams. Sinon, bah, ne foulez pas. Le truc à pas dire. Salut. Est-ce que c'est dangereux pour moi ça? Non, bah non, parce que ça me retire pas de liberté. 10 seconds. One, ça, c'est coûté. Two, three, ça, c'est mort. Four, il faut five, que je joue quelque chose. Six, seven, eight, nine, je sais pas. C'est nul, hein, je sais. Mais ça ne perd pas. c'est vraiment pas incroyable comme coup. Ok, là, par contre, on parle. On va connecter ici pour avoir le maximum de liberté possible, je pense. Tari, d'accord. T'as ça, hein. Après, c'est un peu embêtant. Quoique, je vais peut-être... Si, je peux aller en A17, si, bien sûr. Mais quand il protégera, je capture, bon, c'est goté, quoi. C'est goté. Après, en soi... Est-ce qu'il reste beaucoup de choses de santé? Qu'est-ce qu'il vise avec ça? Parce que là, clairement, je pouvais pas prendre ses pierres, hein, de toute manière. Donc, il vise ça. Je vais là. Tac. Pour faire cet atari. Pour faire cet atari. Et j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Dans le doute, on va défendre. J'ai l'impression qu'il n'y a rien, mais je suis en avance, donc on va défendre. Mais mon coup est sur certainement trop mou. Ouais, c'est là où on aurait aimé avoir ça. Sans toucher cette séquence.
Bon, dans l'idéal, hein. Comme ça, il protégeait cette séquence et maintenant on avait quelque chose. Et il aurait pas pu s'autoriser ce coup. Donc on aurait dû au moins protéger les pierres pour augmenter la J. La J. Et si on aurait une petite séquence, c'est peut-être sympa. Venir de ce côté. D'accord. Capture. Atari. Attaque. Pour quelle raison ne pas faire des 19 ? S'il vient ici, je vais là. Tac. 10 seconds. One, attends, s'il va à 18, three, et que je vais là, il va ici. Five, six, seven, eight, nine, il y a un petit truc, ouais. À 18, je vais là, il allait en B19. Oh, il y avait un co, non? Il y avait un co. Donc, par contre, maintenant, il n'y a plus rien. S'il vient ici, je vais là. Y'a plus rien. Y avait rien, tu penses? On regardera ça. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ten seconds. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ça s'est traîné. C'est un peu embêtant pour lui parce qu'il devra rajouter un coup ici du coup. Ok, ça c'est goté. Faut juste que je vérifie K1, je capture. Il fait ça. Oh bah non, il peut pas. Pardon. Pas de liberté, donc ça va. Alors, désolé, je peux pas lire tous les messages, je vois que t'avais envoyé un autre avant, alors je vais lire ça juste après mon coup. Alors, salut, ça va bien, tac tac tac, c'est bien là, c'est vrai, c'est goûté, t'es en avance, C14, la petite était goûtée ici aussi, donc ça tient pas. A9, pourquoi pas, mais après, fallait dire... Aller direct. Bon, il faudra que je protège. A9 pourquoi pas, mais après fallait direct R18 plutôt que A8. D'accord. Il faudra que je regarde ça là, c'est bientôt la fin donc il faut que je regarde ça. Et ici il essaie de me piéger par rapport à ces séquences où il joue là. Je pense qu'on va pas prendre de risque. On va. 10 seconds. 1, 2, 3. Déjà, on va connecter ici. Ouais, c'est ce que je dis du coup. Et après, il y avait rien, blanc a oublié de compter son œil dans la séquence. L'œil où ça ? 10 seconds. 1, 2, ouais, je suis perdu, désolé avec les commentaires. Et je n'ai plus de. Batterie dans mon casque. Ok, il n'y a plus de son pour moi. Normalement, vous y a encore, je pense. Hop. Je vais voir le fil qui pendouille. Bon, on regarde là, toutes ces séquences-là, on va regarder. Et l'œil, c'est quoi? H1, ça reste un point à terme. Ouais. Ok. Oui, il faut que je joue, de toute façon, il faut que je joue, et ça aussi. En fait, je vais devoir jouer deux trucs ici. Ouais, il faut que je joue. Hein. On va pas faire de bêtises. Mais ce bord droit, c'est indécent que j'ai pu faire ça, quoi. Ouais. Est-ce qu'il me reste quelque chose? Bon, ça t'arrive. De toute façon, il sera joué. Ten seconds. One,
2, 3, 4, 5, 6. On doit capturer un jour ou l'autre. T'es 19, quoi? La musique, ça aurait arrêté ou... Non, c'est moi, ok. Et il a passé. Je sais pas pourquoi j'ai plus le son. Terminé. On met les points de l'adversaire. Tout est mis. Oui. Et on gagne de 15,5. Ok. 15,5. Tac. Terminé. On remercie. Et je regarde juste ce truc du son. Pourquoi j'ai plus de son là ? Ouais. Il veut pas. Peut-être parce qu'il est à zéro et du coup là, le forcer dessus c'est pas très bon. Ouais c'est ça. Le gars il continue quand même. Tac. Alors. Merci. Merci, merci. Je vais regarder ça tout de suite, histoire de. Et après on regardera dans l'ensemble. Tac. Donc. Ici. Tu me dis que ça. D'accord, oui. Si je fais ça, tac, et du coup dans l'idée, c'est ça, côté du coup. Ou... Si je vais là... Ça, c'est ça ce que tu dis du coup, râleur ? Non. Parce que moi je trouve que en fait, sur cette séquence, blanc il répond jamais en fait, donc je suis pas goté. Mais du coup, comment je suis goté ? Avec le A8 ? Non. Oui, si, avec A8. Je sais pas. Je vais attendre râleur. Désolé, là, il y a beaucoup de messages au-dessus, en fait. Enfin, c'est très bien qu'il y ait beaucoup de messages. Il vaut mieux que vous me redisiez ce que vous envisagiez à ce moment-là. En tout cas, merci pour tous les follow et merci pour votre participation, c'est sympa. Non, juste en prenant compte ce qu'a joué noir. Alors, je vais redresser ça, les séquences, tac. Ah, qui là, il est plus obligé de répondre, vous dites, du coup. Alors, A9, B9, et tu R18, pas 8. D'accord. Mais pourquoi, en fait? Parce que si je R18, tac, 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 il récupère la pierre, en fait. Est-ce que je loupe quelque chose? C'est possible que je loupe quelque chose aussi. Il faut pas que je chuchote parce que sinon vous allez pas m'entendre. Donc. Je reprends la séquence. A9, B9, c'est ça. Et tu R18, pas A8. Mais dans ce cas-là, le A9 perd son utilité. Parce que si je vais là et que effectivement on peut prendre le gros coup là-bas, on peut glisser ici. Et c'est quand même gênant pour noir. Je crois que c'est plus gros car tu as deux fois l'initiative comme ça. D'accord, ok. Mais c'est vrai que, en fait, je préfère pas dire que ah non, c'est faux ou n'importe quoi parce que dans les parties de pro qu'on observe souvent, il y a souvent des séquences qui ressemblent un peu à ça où, ben, moi, c'est clairement pas. C'est hors de ma portée, je pense. La logique, en fait. Alors, c'est la question d'imposer son rythme tout le long, en fait, quoi. De rester senté, de. Garder une emprise en soi. Une question de valeur de coup, j'imagine. Tac, tac, tac. Ça, c'est gros, mais finalement, bah, en fait, dans l'idée, c'est à ce moment-là, ça, c'est plus gros, mais une fois qu'on est dans cette situation-là,
Je pense que ce que tu veux dire à l'heure, du coup, c'est que maintenant, si on reprend la situation globale, ce coup-là est plus gros. Parce que le R18 vaut plus que si on se fait capturer cette pierre. En soi, on a déjà fait du dommage, même si plus tard, il y a cette capture, parce qu'on aura pu avancer, on aura quand même l'avancement quoi qu'il arrive. Parce que Noir ne va pas faire ce coup qu'il aurait pu faire si jamais il y avait eu cette séquence comme ça. Et là, il aurait sûrement fait ça. C'est un truc du genre comme ça? Je sais pas.